Donc, le programme des Nations Unies pour le développement, grâce à un soutien de l'ambassade du Canada, soutient le projet mis en œuvre par le GRADEC pour prévenir et gérer les violences liées aux élections. Et comme vous le savez, ce genre de projet est extrêmement important dans tous les pays à la veille des élections. Le programme bi rek dafa nekul rek sax na ci élection pendant élection bi mais dafa jël gis nga phase li ñaan phase préélectorale bi manam balata élection bi mais dem sax ba ci post électoral bi ndax gis ngeen mu dem ba ci mois de mars fiñ ko diri mu nek nak programme bu nga xamanteni ci amna mana trop te ñun organisation autodiam en synergie comme niñ ko waxé won sank rek dina nek lu nga xamni dañ koy andando def ko tamit ak ñom renforcer ko bu baaxa baaxa baax et lolu yépp nak pour avoir des élections comme on dit transparente apaisée démocratique. Lancé, c'est une campagne de sensibilisation qui voit la violence électorale. Comme nous avons dit, nous avons une élection, l'élection présidentielle 2024. Nous avons fait des choses qui nous ont fait des élections. Nous avons fait des choses qui nous ont fait des passés. Amna liñuy wax ay violence politique wala langue politique bi sañu ay jamarlo yu bari yo xamne am na fi ay yahu yahu yu bari am ci ay nit ñak seen bakkan ñu japp ci ay nit aussi yobul len kasso projet bi nga xamne suñu partenaire yu melni ambassade Canada ak également programme des Nations Unies pour le développement PNUD ñom ñoo ñu ci jappalé ba li mëna am vraiment ñu mëna def donc lancement bi